Renaud. Donc, je vous laisse avec Corinne. Bonsoir l'Olympia, ça va? Bon, vous inquiétez pas, il reste que 43 chansons après la mienne. Merci d'être là, en tout cas, pour le grand Georges. Je veux que ma chanson soit comme un cri d'alarme, entre un air à la mode et un chanteur de charme. Et même si je ne chante pas assez fort, qu'on veuille m'écouter 3 minutes encore. Quand on entend parler des femmes que l'on viole, pour beaucoup d'entre nous, ça reste des paroles. On discute, on s'indigne, on ferme le journal, puis on finit par trouver ça presque normal. Hier j'ai rencontré l'une de ces victimes. Pour la police c'est affaire de routine, et pour les autres ce n'est guère qu'une histoire. Moi j'ai vu la détresse au fond de son regard. J'ai lavé son corps couvert de sperme et de sang. L'individu était presque un adolescent. Très vite il a fait ça sans amour ni plaisir. Il paraît qu'il a pleuré avant de s'enfuir. Mon Dieu, qu'avons-nous fait pour en arriver là? Que faut-il faire pour arrêter tout cela? Ma tête se révolte et mon cœur est meurtri. Et j'ai eu mal pour elle et j'ai honte pour lui. Mais qui d'entre nous n'a jamais violé quelqu'un? Pour ne parler que de ces viols mesquins qui font partie de notre vie de tous les jours et abreuvent de larmes notre soif d'amour. La puissance, l'argent, la force et le mépris, l'autorité du père et celle du mari, la rigueur imbécile des fauteurs de l'ordre qui créent les enragés, qui empêchent de mort. Car ce sont nos enfants que l'on appelle à la paix, gauchistes, blousons noirs, drogués et autres mêmes. Tous ceux qui pour survivre cherchent à rêver, tous ceux qui cherchent la plage au-dessous des pavés. Et si je viens chanter à la télévision dans le cadre établi de la consommation, avec l'approbation du prince et de la cour, ne va pas croire que c'est pour faire un discours. Je ne vais pas non plus pour te convaincre ou te plaire, ou chanter des idées qui sont déjà dans l'air. Mais c'est pour demander un aujourd'hui meilleur, en faisant simplement mon métier de chanteur. Je dis que le bateau prend l'eau de tous côtés, il est temps qu'on essaie de le combattre. Victimes ou criminels, les deux sont concernés. Et s'il y a un coupable, on est tous condamnés. Pour tous ces merveilleux musiciens, c'est un honneur de chanter avec vous. Merci. Et merci à vous.